Émilie, tout autre chose maintenant, on en vient à Johnny Hallyday. Oui, Johnny, que vous connaissez bien, puisque vous avez joué ensemble au cinéma dans les années 90, ce film qui s'appelait La Gamine, voilà, ensemble. Là, c'est un coffret qui est sorti vendredi et qui prouve que, voilà, 3 ans après sa mort, Johnny Hallyday fait toujours l'actualité musicale en France. Le coffret s'appelle Son rêve américain. Il y a 3 CD, pardon, et 2 DVD. Dans chacun des DVD, un film qui raconte un moment particulier de la vie de Johnny avec les États-Unis. Le premier DVD, qui s'appelle Johnny USA, raconte notamment son concert au Beacon Theater de New York. Regardez. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé 8 ans de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Alors c'est très chouette, c'était au printemps 2014 et c'était un de ses rêves évidemment de jouer aux États-Unis. Et le concert est très très beau, il est avec des musiciens excellents qui font ressortir le côté rock, le côté années 60 de Johnny. Il n'y a pas les synthés un peu craignos des années 80, pas du tout, c'est vraiment... C'était pas craignos. Il y a eu des synthés craignos, selon moi. Et il est beaucoup mieux habillé. Et il est super sympa. Il est mieux habillé. Et les bagues, tout, enfin c'est parfait. Ouais. Deuxième film, là c'est un long métrage, c'est un petit bijou qui s'appelle À nos promesses. Un long métrage donc qui raconte la dernière grande vie à moto de Johnny Hallyday sur les routes du sud des États-Unis. On est en septembre 2016, de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles. Il y a 7000 km de kiff, de paysages, de burgers, de motels et de copains. Regardez. Super. Regarde ça. Regarde. Regarde le paysage. Ah, au lieu de me regarder moi. C'est pas le temps qui va user. On avait quand même des étapes de 500 km. Ce qu'il a traversé, c'est complètement physiquement complètement hallucinant. Le froid, moi j'étais comme ça sur la moto. Les mecs, ils essoraient les poignets. C'est sportif quand même, il faut faire les bornes. J'avais l'impression d'avoir avalé une perceuse en arrivant à l'hôtel le soir. N'oubliez pas qu'il y avait 72 piges, les mecs. C'était un dur à cuire. Une lettre à l'enfant que j'étais. Johnny, il a voulu nous emmener tous sur son Amérique dont il avait rêvé quand il était très jeune et qui se réalisait maintenant. Qui veut faire une photo avec mon appareil ? Johnny a vécu sur les routes toute son enfance. Je crois que c'est là où il était le plus heureux. Je vais chez les Indiens, je reste. Lundi, il était John Wayne. Mardi, il était Easy Rider. Mercredi, il était l'équipe est sauvage, tu comprends ? C'était son truc. Alors voilà, ce film, ce road trip À nos promesses et le concert de New York, pour moi, ça rend ce coffret, son rêve américain, Johnny, sorti vendredi, vraiment indispensable. Si vous aimez Johnny ou même juste si vous aimez le rock, d'ailleurs, je pense que vous y serez sensible. C'est dispo donc chez Warner et ça coûte 26 euros.